d'état-major général des armées nigériennes. Cette rencontre avec son homologue malien, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, et le chef d'état-major des armées du Niger, le général de division Salifou Modi, deux militaires de terrain qui ont eu à partager ensemble de nombreuses opérations le long de nos deux frontières. Abdul Karim Kaba nous en parle. Renforcer les liens de coopération, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité, tel est l'objet de cette visite du chef d'état-major général des armées nigériennes. Après les honneurs militaires, les deux délégations ont eu une séance de travail. Consolider les acquis au long des frontières communes, c'est de cela qu'il a été question. Cette rencontre, c'est encore une nouvelle occasion de raffermir nos liens de coopération, surtout dans le domaine militaire, dans le domaine de la formation, dans le domaine des opérations, et aussi échanger sur les opérations que nous menons ensemble. Comme vous le savez, nous avons affaire à un ennemi commun qui est le terrorisme. Raffermir les liens pour faire face aux ennemis communs afin de relever les défis, notamment la sécurité des populations et de leurs biens. C'est toujours que nous puissions poursuivre notre coopération militaire, que nous puissions continuer nos opérations sur le terrain, puisque nous faisons partie d'un cadre, le cadre du CEMOC, qui veut que nous puissions redynamiser les patrouilles le long de notre frontière commune. Et le Niger, le SEMA du Niger et le président du CEMOC. À l'issue des échanges, il y a eu des points de convergence de vues par rapport à la sécurité et la coopération entre les deux armées.